Retour à Aarhus avec cette compétition par équipe qui débute de manière assez surprenante puisque c'est la Suisse pour l'instant qui est au commandement devant le Bélarus et que les deux équipes favorites sont pour l'instant aux deux dernières places, tout simplement la Chine et le Japon pour l'instant dernière, sixième ex-aequo pour la Chine, égalité avec le Canada et le Japon juste derrière. La Chine et le Japon sont passés au sol, c'est vrai qu'il y a eu de grosses catastrophes, on peut le dire, de chaque côté, d'ailleurs aussi bien côté chinois que côté japonais. Il va leur falloir maintenant courir un petit peu après le score. Et la Suisse qui peut rêver, pourquoi pas, à cet instant. On va enchaîner avec donc les équipes qui tournent, qui changent d'agrès. On va suivre maintenant l'équipe du Japon au cheval d'arçon. On commence avec Tsukara, un très grand nom de la gymnastique. Oui, voilà, son papa a inventé un saut au saut de cheval. Mitsuo Tsukara, c'était son papa. Lui, il s'appelle Naoya. Un gymnaste très élégant aussi, avec un petit déséquilibre à la sortie. Très beau mouvement tout de même. Mais. On les sent un peu fébriles. Oui, ce n'est toujours pas la perfection côté japonais.